Ouais. Non, franchement, excellent. Excellent, excellent. Bon, par contre, l'accélération, elle est un peu bizarre au départ. J'ai laissé de la gomme. Bon. J'espère que tout le monde est assuré en ville. Homicide sur civil. Ok, normal. Putain, mais c'est pire qu'un GTA en fait. On va faire un genre GTA quoi. Ok. Ça tombe bien, je me garer. Bon. Mais qu'est-ce qu'elle peut... Oh mon Dieu. Ah, j'ai oublié la liste de maman, bah t'es dans la merde. Ok, il y a un cimetière là. Ah c'est bon, je suis dans la zone. Ok, par contre, c'est... Elle est bien cette bagnole. Ouh purée, elle était bien cette bagnole.
impossible de retrouver le suspect, Central. On l'a perdu. 948 à Dan, Central. On rentre. Cela fait maintenant un an que le réseau CityOS, le programme de ville intelligente de Chicago, a été mis en place et la réception du public a été très positive. Nous avons interrogé plusieurs de nos concitoyens. Voici leur témoignage. C'est pratique, je peux utiliser mon téléphone portable pour payer ma carte de transport ou pour savoir si le métro est à l'heure. J'aime bien qu'ils sachent toujours où je suis et qu'ils me disent des tas de trucs en temps réel, s'il y a des bouchons, tout ça. Ils me disent même où je peux trouver des places de lit pour me garer. Et ils comparent les prix aussi. C'est trop cool ça, pas vrai? J'y ai pas vraiment fait gaffe, mais ils nous surveillent après, non? En tout cas, moi, je demande qu'on sache où je suis. Ma femme et moi, on l'utilise surtout pour la garderie et pour nos démarches de santé. Ça me permet de me connecter au système, de consulter les listes d'attente, par exemple. Oui. Non, mais c'est pratique, en fait. Oui. D'après les experts, le CityOS fonctionnerait à merveille et aurait déjà permis d'économiser des millions de dollars. Le maire, Donovan Rushmore, pense que Chicago vit le rêve de toute ville américaine. Ouais, ça fait peur quand même. Faire, comment, se faire espionner comme ça en permanence par un système informatique. C'est le gros danger en fait de l'informatique, mais tout est une question d'éthique, hein, comme toujours. C'est que le problème, c'est que c'est le même problème qu'avec Google ou avec toutes ces sociétés là. On ne sait pas comment sont traitées nos informations derrière. Je vais vous donner un exemple simple. Quand vous vous inscrivez sur mon serveur Minecraft, je vous ai dit, pour ceux qui ne me connaissaient pas, je suis auto-hébergeur, j'ai mon propre serveur Minecraft. Évidemment, vous devez vous inscrire. Pour vous inscrire, il faut que vous renseigniez votre adresse email. Moi, je m'engage à ne pas revendre votre email à des sociétés de mailing. Mais il faut savoir qu'il y a des sites qui ne se gênent pas et qui revendent directement les emails de leurs inscrits à des sociétés de mailing. Voilà, c'est ce genre de choses-là, c'est que les informations que vous traitez, vous n'avez pas forcément confiance, mais il faut avoir énormément confiance envers les... Il faut avoir énormément confiance à qui vous confiez vos données, quoi. C'est important. Tiens, fils de pute, voilà un petit cadeau de Lucky Queen. Attendez, juste une question. Où je dois aller là? Parce que vous êtes sympa, mais là, faire des petits trucs comme ça, c'est sympa, mais je vais pas en faire 50 non plus, quoi. Y a un point jaune là-bas, je vais voir si je peux. Si c'est là-bas que je dois aller. Sinon, ça va bien. Pas de fixeur, ok. C'est quoi, c'est les contrats de fixeur? Comment c'est, contrat de fixeur? C'est quoi ça? Le contrat est clair.
Faut que je trouve ces types et que je les élimine avant qu'ils s'échappent. Oh la vache! Oh, je suis les marrons. Merde, ils sont en bagnole, ok. Oh non, laisse tomber, oublie. Pas pour donner la mission. Ça c'est des petites missions secondaires, on les fera. Ok. Sympa. On les fera plus tard. Beaucoup plus tard. Par contre ça c'est un peu bruyant ça. Bon. Bon sinon très gros potentiel hein, sur ce jeu. Vraiment sympa quoi. Allez par contre l'arbre de progression. Je dois avoir un point de compétence, non? Point de compétence disponible 6. Ah bah ouais, un peu ouais. Piratage, combat, objet fabriqué, conduite. Conduite sur la tête que je suis le meilleur. Non, on va. D'accord, ça peut être sympa. Sinon là, borne. Ah, sympa. Ouais, donc il y a ça. Sinon, ça c'est quoi? Hélicoptère. Ok. Non, on va prendre le point d'énergie en plus, enfin l'énergie en plus déjà. Ok. Ça c'est quoi? Boost de piratage pour les distributeurs, on va prendre aussi. Il me reste 2 points. On va prendre ça. Et puis bah, on va tout prendre en fait. Oui. Ok. Je vais privilégier le piratage parce que c'est vraiment un gameplay qui me plaît énormément. Ouais, c'est pas ça que je voulais, c'était donc c'est la virgule pour la map. C'est ça que je veux, mission principale, voilà. Combien de mètres? Je sais pas combien de mètres c'est. 200. Ah, allez, on peut se la faire à pied. Ah merde, j'ai mon flingue sur moi. Hein. Oh non, non, merde. Oh non, c'est pas ça. Comment je range... Comment je range mon gun? Comment je range mon gun? Voilà, ok d'accord. Oh!
Bon. Je vais pas avoir une réputation très élevée à la fin, hein. Ok, donc ça fait très GTA quand même. Ils sont sûrement dans le jardin. Ok. T'as quel âge aujourd'hui? 10 ans. Non, je pense plutôt que t'as 9 ans. J'ai 10 ans. 9. 10. Bon, alors dans ce cas, ça fait 10 guinées d'anniversaire. Et... Arrête, maman. 4, 5, 6, 7, 8, 10. 10. Attends-moi une seconde. Ok, donc ça fait une année complète et... Je suis en retard. Je sais. Excusez-moi, je voulais juste voir un truc, mais ben, je verrai après. T'as pris un coup de vieux. Sympa. Sympa, ouais. Merci bien. C'est son premier anniversaire sans Léna. Comment il va? Il refuse de parler à quelqu'un d'autre que moi. Yolanda dit que son silence, c'est sa façon à lui de garder le contrôle. Pardon, désolé. Comment? Alors, t'as quoi? Ah, le soigneur. Cool. Tu lui as offert un vrai jouet cette fois. Si t'allais jouer un peu dans ta chambre, je peux parler à ton oncle. Je te rejoins dans une seconde, Mona. C'est vraiment important que tu sois là. Mais je veux être sûre que les choses ont changé. Sur moi, je serai toujours là pour vous. Toujours à jouer les grands frères. Ouais. Bon allez, on veut du sang là. Excusez-moi, mais voilà quoi. C'était pour l'anniversaire de Léna. Oh, c'est bon, on va pas nous plomber le moral. Oh, je suis désolé, mais... Comme nous tous. T'as raté le meilleur. Les enfants ont joué au justicier. Ils imitaient Steve, là, qui passe tout le temps aux infos. Laisse-moi deviner. Jackson était le justicier. Ils étaient tous le justicier. C'était moi, la seule méchante. Et tu sais comme je peux être méchante. J'ai bien résisté. J'aurais dû venir plus tôt. Je les aurais prévenus. Faut pas chercher d'ennui à ma sœur. Tu te souviens quand toi et maman, vous étiez super malades? Papa voulait que tu manges ton gâteau d'anniversaire. Résultat, t'as vomi un truc violet sur la table du salon. Bah voilà, c'était ça, papa. Pas le mec le plus sympa du monde, mais toujours là pour sa famille. Bon, arrêtez de radoter, moi.
Autoréférence, Ubisoft évidemment, et la pas crétin. Ok, il y a un enculé à qui on va défoncer la gueule. C'est rien, c'est juste une blague, ça arrive. C'est assez solide d'après toi. Attends, est-ce que t'as reconnu sa voix? Bon, Aiden, ça va là, c'est bon. C'est bon, apparemment il pense pouvoir rentrer chez toi. Mais qu'est-ce que t'en sais de ce qu'il pense? Tu vérifies la serrure. Écoute, je vais gérer ça toute seule, ok? On se passera de ton aide. Nikki, je peux retrouver ce mec. Hey, putain, en fait, t'as pas changé, hein. On n'a pas besoin de ton aide. Je t'en prie, reste en dehors de nos histoires. À chaque fois que tu t'en mêles, après c'est encore pire. Bon, non, je voulais pirater sa caméra, moi. Bon, non, il y avait rien d'intéressant dans la caméra. On aurait juste vu le gamin avec son iPad là. On pouvait pas pirater l'iPad là. Enfin, l'iPad, la tablette quoi. Je suis vraiment pas fan des tablettes, hein. Je vais vous le dire. Oh la vache. Bon. Merde, il est en mouvement. Voilà de quoi j'avais peur. On menace ma famille, encore une fois. Mais merde! Bah s'il s'échappe, bah oui, mais il y a des voitures partout. Bon allez. Ce blog à la con. Allez. Allez toi, je t'envoie au top. Putain. Eh, pousse là ta mini. Thank you.
Merde. Bon, j'espère que je vais pas me retaper toute la course poursuite là. D'accord, ok, en fait il faut que je pirate les... Ok. Bon. Hey, y a du progrès avec DedSec. J'ai besoin d'accéder au site iOS. Oui, c'est en cours. Vérifie ton dossier. Tu peux prendre un peu de temps. Bon, en attendant, j'ai besoin de ton aide. Tu peux tracer un appel. Comment je pourrais refuser ça pour oublier au client? Bon, il s'agit de quoi en fait? Un type qui vient menacer ma famille. Je veux savoir qui l'a engagé. L'appel provient de quelque part dans le quartier du Loup. Mais c'est tout ce que je peux voir. Ok, bon oui, parce que là au niveau... Ah si, on a des balles, j'avais pas vu qu'on avait des balles. Ok, ouais. Ok, bon. Même topo. Ah oui, on peut faire ça aussi. Ouais. Non mais sérieux. Ah d'accord, oui. Ah oui, je peux utiliser ça aussi. Ok. Donc moto, c'est hors de question. Ça a l'air sympa ça. C'est quoi cette arnaque, je l'avais demandé en blanc. Bon. Alors, quête principale, attendez, par contre je voulais c'était, voilà, donc je peux dézoomer comme ça, je voulais c'était avoir une idée de la carte, ok, c'est grand, ok, allez, de toute façon on va avancer sur la quête principale. Oula. Bon, allez. Je vous parle des intentions de vote. Pour les tracteurs qui ont toute la validité des résultats, est-ce que les oscillations de pendule ont été une surprise? Et vous savez, je comprends que les gens recherchent la plus grande transparence possible. Mais n'oublions pas que les électeurs ont fait leur choix. Le seul sondage qui compte, c'est l'élection elle-même. Nous avons...
comme ça avec Donovan Rochefort. Tiens, monsieur le maire, j'aimerais qu'on parle du City OS. Bien sûr. C'est merveilleux, non? Grâce au City OS, Chicago est passé du statut de grande ville à celui de ville phénoménale. Elle est désormais le modèle urbain auquel aspirent toutes les grandes villes du monde. Et ça ne se fait pas sans difficulté, n'est-ce pas? Non. Où faites-vous ce coup? Le City OS contribue à rendre la ville plus efficace et plus productive. Meilleur. Monsieur Rochefort, après ça. Ouais, grosse propagande, hein. Très très grosse propagande. Ce genre de choses, faut se méfier. Hop là. Petit créneau rapide. La voiture a défoncé, mais ça fait rien. Si le CTOS renforce la sécurité, je dois renforcer mon armement. Mmh. Oh, je veux. Alors, allons-y. Alors, qu'est-ce que je peux pour vous? Montre-moi ce que t'as. Allez, où ma thune par contre? Ah ouais, j'ai que 2000. Ok, je peux pas faire balle de pistolet, ok. Ah mais j'ai pas assez de thunes. Fusil de précision. Non mais j'ai pas assez là. Ah si, j'ai ça. Bon. 416. Je connais même pas. Bon, on va s'acheter ça. Non, on peut tenter de menacer, mais non. Ces dernières semaines, les centres CityOS de Chicago ont renforcé leur sécurité suite à une série d'attaques menées par le groupe DedSec. Interrogée à ce sujet, Charlotte Gardner, porte-parole de Bloom, s'est montrée catégorique. La sécurité des citoyens est primordiale. Chaque centre de contrôle CityOS a donc été doté d'un service de sécurité. Ces gardiens de la paix hautement qualifiés ont servi dans les régions les plus dangereuses de la planète. En fait, Madame Gardner, ces gardiens de la paix sont d'anciens militaires devenus mercenaires. Certains ont un casier, vous confirmez? En effet, ils ont servi dans l'armée, mais je ne pense pas que nous devons ostraciser des soldats qui ont fièrement défendu leur pays. Le réseau CityOS est parfaitement protégé, ce qui nous permet d'offrir aux habitants de Chicago le confort qu'ils méritent. C'était Charlotte Gardner, porte-parole de Bloom, sur la sécurité du CityOS. Ok. Oh. Et ça se retrace un petit peu. Ah ouais, mais je pense pas que la phrase soit déjà sortie. Ou si, elle a déjà été sortie. Elle est sortie au départ de Alpha Centauri. Si vous avez suivi ma série sur Alpha Centauri, il y a un personnage qui dit méfiez-vous de celui. Comment méfiez-vous celui qui vous limite l'accès à l'information. Méfiez-vous aussi de ce qui peut choper des informations sur vous. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Mais méfiez-vous de tout, franchement. Moi qui suis dans l'informatique... Savoir que moi je suis un assez gros paranoïa de la sécurité informatique. Il m'arrive régulièrement mon propre serveur de l'attaquer moi-même afin de trouver des failles de sécurité. Et quand j'en trouve, je les corrige. Ça m'est arrivé plusieurs fois de réussir à pirater mon propre serveur. Mais tout ça c'est toujours pareil, c'est dans le même but, c'est celui de... Bah, toujours de vous fournir une qualité de service qui est toujours plus agréable. Je voulais revenir également sur mon serveur, hein, sur un petit truc tant que j'en parle, parce que je sais que la plupart d'entre vous me découvriront. J'ai pas le choix. Je veux savoir qui menace ma famille.
Comment? Je sais que... qu'est-ce que je veux dire? Oui, je sais que la plupart d'entre vous me découvrent, en fait, avec cette série. Mais... Comment dire? Faut savoir qu'en fait, le... Ok, d'accord. Ouais, je me suis bien préparé. Oui, je voulais dire, mon serveur ne fonctionne que grâce à des dons. Donc, c'est pour cela que... il est mon si vous voulez me rejoindre sur mon serveur, il est entièrement gratuit et il ne fonctionne que grâce à des dons. Donc, à vos dons. Donc, voilà. Et il en va de même pour ma chaîne YouTube. Si vous aimez le travail que je fais, bah, vous pouvez, basiquement, passer par les mêmes systèmes pour éventuellement faire donner 1 ou 2 euros. Voilà, voilà. Bon, on va essayer de se concentrer. On va prendre ça. On va essayer de se jouer furtif. Il y a un truc à récupérer ici.